Là, on est au milieu de la traversée en fait, et du coup, on va couper l'alimentation en eau du continu de surface pour pouvoir nettoyer la plupart des capteurs, pas tous. Beaucoup de capteurs qui sont optiques qui ont une fenêtre qui mérite d'être où il peut y avoir des dépôts dessus en fait, et du coup, ça perturbe la mesure. Donc, il faut faire ça une fois par semaine. Donc, là, on est en milieu de traversée qui dure un peu moins de 2 semaines. Donc, je vais procéder au démontage de pas mal d'instruments et au nettoyage surtout. J'ai sorti toutes les. Tout le matériel pour faire ça. Si on faisait pas ça, et ben par exemple un capteur optique qui regarde la quantité de lumière qui passe à travers un tube par exemple, et ben si sur la fenêtre qui regarde la lumière traversée, au fur et à mesure il y aura du dépôt, des algues qui commenceraient à se développer, et ben au bout d'un moment il verrait plus rien alors qu'en fait il devrait voir quelque chose. Donc c'est important pour la précision des mesures de nettoyer régulièrement les instruments. Et ben là, je coupe l'acquisition des instruments puisque ils vont pas recevoir d'eau à mesurer. Donc avant de couper le circuit, ben je dois couper pas mal d'acquisitions d'instruments pour leur se mettre en veille en attendant que je les nettoie. Là, ça c'est les pompes d'entrée du circuit, et elles ont des petites crépines quoi, des petites grilles à l'entrée, et je vais enlever les saletés qui sont dedans, tout simplement, à la brosse à dents. Hop là. C'est pas si sale que ça. Ah si, quand même, il y a des petites. Ah ouais, quand même. À l'intérieur, c'est sale. Là, j'installe un système de nettoyage sur l'alpha, là où en fait normalement il y a l'entrée et la sortie du circuit d'eau qui se font ici. Et là, je chante le circuit pour faire passer plusieurs solutions différentes de nettoyant. Ça va de l'eau distillée au détergent pour nettoyer l'optique en fait. Du coup, j'ai relancé les pompes là tout à l'heure, donc on peut voir les débits sont normaux, ça vient de passer un cycle d'eau filtrée, et du coup, je vais relancer un par un les instruments, et l'acquisition va reprendre.